puis il a une grenouille aussi dont il doit s'occuper. Peut-être en tapant un énorme sprint. Un énorme sprint. Un sprint long. Un sprint endurant. Gauche, droite, dans l'alcove, dans l'alcove. Attention, Sean Fire, Sean Fire, Sean Fire. Allez, Derek, Derek, faut tenir le coup, faut tenir le coup. Avec le Z, ça fait un ministère à Kui. Peut-être qu'on peut attaquer quelque chose. First block pour l'éviter. Timmy, est-ce que ça peut doubler la mise? Oh non, c'est la reste. Attention, Sean Fire. Skins qui est très tenté. Le bâton a suffisamment de portée. Il est furtif. La cage qui lock. Et le cyclone qui vient directement mettre Sean Fire en péril. Mais le burst est tout de même colossal. Mauvais flash de la part de Skins. C'est un mid pour l'Evita. Il laisse passer ce Drake là. Oh. Attention, on se rate un peu sur le bizou pour Peng. Twist. Obligé de flash out Xicor. Oh là, Skins qui fait un travail monumental, Shunfire qui est absolument condamné. Les dégâts de Diplex sont colossaux mais pas suffisants. C'est peut-être une situation inespérée. Le baron Nash sorti relativement low. Le Olaf qui devient tout rouge. Et déjà le premier kill. Un shutdown récupéré par Darnik. Il va loin, il va loin. Il sera rappelé. Mais tu es immortel, tu pouvais y retourner. Non, l'ulti GP. Et il s'en sort. Regardez Ziganda, regardez le baril, le baril. Et il ne connectera. Bon, si! Il a complètement arraché Peng! Peng qui n'a plus de tibia! Et qui est obligé de s'enfuir. Darlik qui sera abandonné sur le bord du chemin. On est sur la première T4. Le zoning est énorme. Le zoning est absolument énorme. La deuxième T4, attention, le baroud d'honneur de Sean Fire, il vient endormir tout le monde. Mais qui font le up, absolument personne, même pas la tourelle. Et le superbe metteur, mais mon dieu, mais c'est incontrôlable. Allez, Darlik, Darlik qui est immortel, mais l'ulti a été posé beaucoup trop tôt, c'est catastrophique. Il reste Xicor quand même. Oh, Xicor qui vient réclamer son du sol de ça, peut-être Zeri, la veille, la veille, la veille. Allez, le moustique. On a encore le R, bon. Le moustique. Le moustique, c'est exceptionnel. Quadra kill pour Xicor, peut-être le pétakill. Attention à Darlik. Oh, attention, l'arrivée de Peng qui se repositionne in extremis. On peut pas en dire autant de Shardfire, ni de Darlik d'ailleurs, qui est déjà au sol et ramené à la vie par son Zilean. Mais j'ai l'impression que ce fight se passe extrêmement bien. Flash in stopwatch, bien sûr, de la part de Xicor. Mais c'était échec et mat de toutes les manières et de tous les angles. Après avoir eu peur, l'Evita et Timmy se rassurent très largement. Il faut pas oublier l'inhibiteur tout de même. Mais voici la quatrième victoire des abeilles. Ah, on a eu du mal. Sur le Twitch, il est level 5, il est level 5, ça fait très très mal sur Xayah qui va tenter le rappel de plume avec les deux summoners spell, mais c'est un first blood sur l'Arenata qui a très très bien réagi là-dessus, Tréton. Ça va contester l'avantage de vision et pour les mirages, on y va directement du côté de Zanzara qui se fait repousser, on est un petit peu coincé ici. Bad Lulu, très bon contrôle sur le Wukong, la cage du Vegar est pas trop mauvaise ici, on arrive à récupérer le premier kill. Codyson un petit peu sacrifié. Alors Lulu qui essaye de sidestep tout ça, mais les dégâts sont extrêmement élevés. Le flash out de Azir. Ça suffira tout de même à récupérer un peu de kill. Ah. Le maximiser au max et là on voit que c'est le Vegar qui se fait bien bosser par le Azir Free DPS. Shutdown 500 gold. Ah. Avec le Sion qui arrive un petit peu en retard, Memento qui gagne du temps. Est-ce qu'on va prendre le kill? Le double knock-up de Bad Lulu et Pixel Perfect avec Memento qui mourra du Red Smite. Mais le temps gagné par ce Graves est très très bon. Oula qui arrive devant trois joueurs qui met d'énormes dégâts, on essaie de se retourner tout de même. Mais pour le moment il temporise, c'est toujours le doublé de Renata évidemment. Oulight qui force tout le monde à reculer. Eleven qui trouve un superbe moment sur Kogiston, force au flash out. Ouh, le shutdown récupéré par Rangyun qui arrive sur le côté. Est-ce qu'il peut faire une dinguerie avec son Azir? Il a les items nécessaires. Zanzara, Alex Drinker, l'ultimate était pas mal, on s'est un petit peu perdu. Côté Miss Suisse avec la réussite qui était au rendez-vous pour la botlane Mirage. Il est déjà très low ce Baron Nashor, évidemment, ça tombe très vite avec un Azir, 2 KHP à peine. Est-ce qu'on peut le steal du côté de Chek? Chek qui met qui récupère le Nashor qui en plus one tap Rangjun. On est forcé de reculer maintenant pour Mirage et c'est la catastrophe. Il a pu mettre l'ultimate. Oh, Rangjun qui a tenté un ultimate mais malheureusement intercepté par Zanza. Rangjun n'a plus rien. L'ultimate de Renata sur Codyson qui est tout simplement en mêlée ici. Qui se fait abattre Eleven qui a 5000 HP, il est juste en train de marcher, il met même pas de spell. Il troll là, il troll. Mais oui. Ah, il y a trop d'avance, il y a beaucoup trop d'avance. Et c'est la première victoire dans ce Summer Split de LFL pour les Miss. Première victoire en LFL de Zanzara. Est-ce que le Ghost sur Vladimir c'est Summoner Spell obligatoire? Ou attention, le charme qui a été pré-shot par Ika qui touche le flash out de Scarlet qui ne suffira pas, le burst du Viego est tout simplement excellent ici. C'est peut-être pour apporter du contrôle à l'early game, justement pour permettre à Xayah de TP scale. Ouais, on arrive quand même à choper Ika sur ce timing juste avant le Drake, ça peut être pas mal. C'est peut-être une piste pour les Solari. On a encore Kyo qui est disponible avec sa TP. Il a pas de non. Enfin regroupé à 5 les Solari qui font quelque chose. Mais attention, Raktor lui a encore beaucoup de choses à proposer. Derrière on se fait catch. Malheureusement ce GP qui se fait one shot, ils ne l'ont pas oublié.
qu'ils jouent bien sur leur vision les LDLC. Et K qui va pas se faire surprendre sur ce timing là. Bon, le flanc de Ragnar, ça y est, il se jette dedans, mais il se fait directement contrôler. Il a la poule, il gagne beaucoup de temps pour sa team. Ça y est, K de faire la différence. Il y a eu un très bon turn de la part des Solari. On est tout paqué côté LDLC. Ce fight a été mal pris. Et K qui rentre en piste sur le côté, ça fait très mal à réengage de Hexaki qui vient climatiser les Solari avec l'auto-attaque sur Kyo qui ne suffira pas. Mais le kill est récupéré sur la zone et on enchaîne directement. Et K le zone pixel perfect. Il outplay totalement à ça. C'est un 3 pour 0. Et là on tourne directement sur lui, on tente le barou d'honneur pour les Solari. Il y a l'ultimate de Nocturne, ça go in sur Exakic, mais il a un flash et un shield de 1000 points de vie qui n'est même pas brisé suite à cet engage avec Aika et Ragnar qui détruisent tout derrière. Les LDLC sont quasiment tous full life. C'était bien tenté de la part des Solari comme dernière tentative. Beaucoup de dégâts sur Yumi forcément. Mais les PDS n'est qu'à... Oh que ça fait du bien! Oh merci Martine! Est-ce que Cabochard sera niveau 6? Il est niveau 6. Niveau 6. Il a un flash. Ce dive est très compliqué à réaliser pour BD. Oh, il faut temporiser, Dieu de la Forge. Et maintenant, on peut plonger. Qui prend l'aggro en pole position? C'est bien entendu sur Renekton. Jump in, jump out, c'est pas assez de dégâts. Est-ce que ça passe Cabochard? Et non, il tombera! Il y a du flash, il y a du heal, il n'y a pas encore d'exhaust sur Yumi. Ça a l'air plus... Oh, la contre-dieu! La contre-dieu est magnifique, 113! Et engage, attention au combo, Ricker qui perd beaucoup de points de vie et la smoke ça va pas vraiment arranger ses affaires. T'as l'ultimate out du côté de Cheo, on temporise un petit peu, il a un flash à faire consommer tout ça en Terra maintenant. La grille arrive, force les flashs, le flash est dans Terra. Oh qui oui va tout mettre et Staken qui arrive à récupérer un kill. C'est quand même assez encourageant, le catch. Sur 113 qui n'aura pas si qu'il y a un counterplay finalement, mais le R2 devrait sceller son destin. Par contre Ricker, bon, il a fait un aller sans retour malheureusement. Et il y va Adam justement en frontliner. Regardez la Akali dans la backline, ce qui va se faire one tap. Le dragon a bien été validé par les BDS Academy. Et ce n'est pas jouable. J'ai pas l'impression pour la Capcom. Mais peut-être Second, peut-être le Siphonner de l'extrême. Mais je pense qu'il a un petit peu en enfant été lumé avec ses durs. La barre de point de vie ne descend pas. Mais qui va descendre la barre de point de vie des BDS? Personne, Tréton. Joli repositionnement, on va quand même lock, Reckless et Root. Il arrive avec son barrage de pont, énormément de dégâts. C'est que non, planting, mais l'arrivée de Ricker. Il faut protéger Reckless. Ah donc il fait un travail monumental. Est-ce que Second tient suffisamment? La vache 113 a complètement disparu. Attends, il zone la backline. Il fait un travail absolument formidable, tout comme Second, mais ça ne va pas tenir très longtemps. Il est fini. Finalement, il est tombé. Reckless est là. Reckless auto-attaque toujours sur Adam. Il met quelques dégâts. Attends, Reckless qui prend deux kills avec un superbe double up. On peut maintenant charger du côté de Marcin Arson et forcer les BDS Academy à reculer. C'est parti à vos spatules, mesdames et messieurs, à vos spatules. Sachant que ça va être très difficile pour la casser de récupérer la Priomide. Il y a un Baron Nashor. L'arrivée de Ricky. Est-ce qu'on veut enclencher? Est-ce qu'on veut déclencher Second pour un moment de dégâts? Ultimate Zonia, regardez, attends, quel crâne monumental! Il sonne absolument tout le monde! Il est sur les coudes de Reckless! Reckless! Reckless, on peut se retrouver maintenant, mais attends, il casse moi full life à la sortie de son jet. On va essayer de le chase maintenant du côté de la cassée. Le bump est trouvé! Et Adam devrait tomber sous les coups de Reckless qui met beaucoup de dégâts. C'est maintenant Cheo qui est tout seul dans la mêlée, qui se fait one tap par Reckless qui est intouché, intouchable dans le fight! Mais qu'est-ce qu'on est en train de faire chez les BDS? Non, c'est le trop! Crowny peut-être. 2v4. Il met beaucoup de dégâts, il a plus d'eau, il a plus de dégâts. Crowny se fait attraper, il ne reste que la Yumi. Choper la Yumi. Oh, c'est superbe, c'est vraiment inespéré. Le super est tombé, mais on n'a pas eu le temps pour Camillus. Et c'est la première mort du support des Gameois avant 4 games. Ça va fight Karim. Fort, je pense. Karim pour le smite. Non, un tout petit peu trop tard, il l'a tenté. Anyway, l'engage de la part de Nuke, le shuriken qui connecte, on va peut-être un petit peu trop loin. Le repos de l'agneau reste dedans. On reste dans le repos de l'agneau, on attend la fin de ce dernier élimination de Camillus. C'est un superbe bilan, on chase encore sur Tchécolade, on va éviter cet arc télémance qui est dangereux. Tchécolade qui n'a plus rien, Chocolat qui tombe. Moins de la moitié de ses points de vie, est-ce que c'est pas assez pour remporter ce duel? Si on attend les CD de Jace, bien sûr que ce sera pas assez. La stopwatch, à quoi va-t-on? Oh, le Joker! Le missile, et ça touche, bien sûr! Quel sniper! Attention, le E, flash in, ça connecte directement sur Jace. L'engage est excellent, Meloni qui est sur le point de trop. Ça traite qu'il vole! C'est monumental, Inax! Qui fait des dégâts absolument fabuleux, l'arrivée de Nuke, mais le X-Ring qui a raison de lui! Et Inax n'est désormais plus immortel! Il n'y en a plus, ils sont tous tombés, Marex!
Karim pour le smite, Karim c'est le moment, Karim qui se positionne, Karim pour le clutch, et il le récupère à moins de 10 HP si je ne m'abuse. Le teamfight qui éclate, la tempête rouge qui tente de se déchaîner, elle n'y parvient pas, les boucliers pleuvent, interruption récupérée par Vignorem sur Checolade, c'est déjà un excellent bilan. La fuite est très bien prise du côté des joueurs. Wow, directement Ronaldo qui tente le tout pour le tout. Ozonia, il gagne beaucoup de temps pour son équipe Smiley. Ah, dans le fight, peut-être les dingueries de la Kalista. C'est peut-être maintenant le premier kill va être récupéré. Ultimate de Pac qui est malheureusement esquivé par Akaman. Et les Game Wars clean up ce fight. Peut tanker ce Nash. Le kidnapping. La cupidité du jungler adverse ici qui peut être puni par lui qui n'a pas d'ultimate. Le shuriken qui va malheureusement louper. Il l'a récupéré, c'est bon. Et dehors. Et pas de deux finalement. Quel stopwatch. Est-ce qu'il a assez d'énergie pour les shuriken? Il a pas assez d'énergie. Aïe. Il est déjà loin, no joke. Il est déjà très très loin, Melonic là. C'est la limite. Oh, il a mis la boule. Est-ce que ça va le sauver pour autant avec les deux secondes? Mais non, Shotdown récupéré par Karim Kate. Mais regardez, ils font feu, les Game Wars, d'un feu extrêmement nourri. Quel bombardement. Du Karim peut-être pour plier la Kalista. Oh, peut-être Karim, il n'a pas eu le temps, il n'avait plus son Zonia. C'était tout de même très fluide. Oh, les 3 pour 2 dans ce fight. Les barres de points de Vimarex, ça part dans tous les sens. Elles se font dévoré. Et c'est pas terminé. Kindred Ezreal avec le buff d'Achor Smiley qui rentre. Il a un GA, il a de l'armure et ça y est, le scénario de la Kalista qui stack les lances. Il va exploser. L'ultimate de Ronaldo derrière Kalista en train de faire des Inac. Aïe. Le GA des deux côtés. Ronaldo le W qui va revenir peut-être. Le suspect d'Ezreal. Oh, Inac pour le clutch. Et non, c'est Smiley. Ah, ils sont en train de les balader, c'est merveilleux. Oh, attention, il a claqué l'ultimate. Oh, le touche directement le clutch. Chocolat qui prend pas les Ever France qui n'a jamais pu prendre le kill. Il temporise énormément le Zonia. Chocolat. Et non, c'est parfaitement timé par Ronaldo. Game. Oh, il doit stopwatch la rédemption, c'est merveilleux. Attention, l'arc ténébreux est dans la photo belt. Ne le sauvera de pas. Côté. Où en est le Baron Achor? De l'autre côté, ça fight, on y va directement. Les dégâts sur Smiley sont énormes. Mais il tank avec son ange gardien. La résistance est là, le suspect. Smiley pique vers perfect sur sa Kalista. GA qui sort pour ce Jace. Il va falloir finir le travail. Allez, c'est parti. On déchaîne les enfers. On focus la première T4. Il vient de climatiser les Game Wards. Mais ce qu'il vient de faire sur son pack, c'est illégal. Non mais. C'est absolument glorieux. La tempête rouge, ça va. Vous avez vu? Non mais là, c'est... 44 kills.